essaye de créer, de voir qu'est-ce que ça donne. C'est une nouvelle expérience qu'on va tenter de monter, essayer de, à partir des paroles, créer des mouvements, traduire les mots à travers des gestes avec la danse, et voilà quoi. C'est un concept qui a été défini pour rapprocher des arts qui initialement sont un peu éloignés. Moi je suis dans le milieu théâtral et je suis en train d'encadrer un atelier hip-hop et slam, simplement parce que c'est des arts qui sont très proches du théâtre. Et au niveau des textes que les jeunes vont utiliser, moi, je suis chargé de les aider un peu à comprendre le texte et à le dire comme il faut. C'est un travail sur le rituel, la transe et la communication à travers le mouvement. La communication non verbale, la pièce est créée dans une recherche qu'on a cherché le mouvement, le mode de créer une chorégraphie sans utiliser les mots. J'ai présenté une danse solo, elle s'appelle Morphoset. C'est une pièce zoomorphique, un peu mystérieuse, et la musique était une jungle d'Amazonas musique, équatorien, compositeur de l'Équateur qui fait spécialement cette musique. I'm African American, but I feel my roots here in Africa, and I have enjoyed dancing my piece because it connects all of us together. My piece is about the beauty of rhythms and how rhythms translate across the world, beyond language, beyond Wolof, le français, l'anglais, l'espagnol. It's all the same. C'est la même chose. Agada, c'est un solo que j'ai fait quand j'étais dans la période de mentorat parrainé par le programme de mécénat, les sociétés Rolex. Il y a eu des questionnements qui se sont posés concernant plein de choses, ma position en tant qu'Africain, en Europe et tout ça, et la façon de pouvoir m'exprimer en tant que danseur qui vient du Togo.